Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Undead City, hein, donc un petit jeu que j'ai trouvé sur Steam. Hein. D'ailleurs là, du coup, c'est la démo. Vous pouvez le tester tout simplement. Alors, faut savoir que le jeu était censé apparemment sortir du coup là au moment où tourne la vidéo, on est le 22. Était censé sortir le 31, donc dans 9 jours. Dans 9 jours au final, les devs finalement ont repoussé la sortie. Donc voilà, donc on va voir un petit peu déjà ce que ça donne. Hein, des fois, vous savez, sur les petits jeux comme ça. Sur des petits devs, on peut trouver des fois des pépites, donc tout simplement voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et donc vous inquiétez pas, de toute façon tous les liens, du coup le lien de, je vois qu'on peut aussi rejoindre leur Discord, mais si jamais vous voulez tester la démo, le lien est dans la description. Allez tac, c'est parti. Le monde que nous connaissons autrefois a disparu, détruit par un virus inconnu qui s'est répandu dans le monde entier. Ok, donc on a le contexte déjà. Toute personne infectée mourait ou devenait un mort-vivant. Nous ne sommes plus très nombreux. Essayez de survivre dans cette ville misérable. Ok. Ok, ok. Ville des morts-vivants. Ok. La vie est rude ici, mais je ne céderai pas. Ok, j'aime bien les images comme ça, là, avec le petit recul et tout. C'est sympa. C'est pas mal. Ok, donc chargement. Ok, donc on a les FPS en haut. Ok, nice. La vie en bas. Bienvenue dans la ville des morts vivants. Parlez à Ramirez. Ok, donc on a l'objectif. Ok. Ok, donc on a récupéré des trucs. Donc si on regarde un petit peu, ok. Donc là on peut... Ouais, alors pour l'instant on a que 3 trucs. Ok, bon de toute façon vous inquiétez pas, on va avancer, on va découvrir. Voilà, on voit bien au niveau des graphismes, hein, c'est des graphismes un petit peu vieillots. En tout cas voilà, il y a quand même... le jeu, j'ai regardé un petit peu du coup les configs, hein, le jeu forcément tourne sur une petite config, c'est vrai que ça c'est cool aussi, tout, comme je le dis à chaque fois. Tout le monde n'a pas forcément les moyens du coup d'investir dans une grosse config pour faire tourner les jeux. Donc voilà, ce type de jeu peut plaire aussi à certaines personnes. Donc là pour l'instant on va fouiller. Tac, ça je vais récupérer. Bon pour l'instant c'est que des munes, donc je vous avoue que c'est pas spécialement intéressant. Tac. Oh nice. Du coup ça m'a l'air d'être... Non, c'est pas la même arme. De toute façon on récupère tout et j'avais pas fait gaffe, mais du coup l'inventaire se fait comme ça. Ok. Ok, ok, là on en a quelques-uns. Bon l'avantage c'est que déjà du coup les munitions ont pas l'air d'être très récurrentes. Ok, donc dans le corps. Ok, 2 balles dans le corps, je suppose une balle dans la tête. On va tester ça tout de suite de toute façon. Allez bien. Ouais, si je l'ai touché. Ok. Le bruit des armes et l'audio est pas trop mal. Ça va. Ok. Donc j'avais pas fait gaffe. Mais du coup, on peut... Oh, l'effet dégueulasse. Ça par contre c'est dégueulasse. L'effet du coup que ça donne, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Bon c'est pas grave, on va avancer. On va avancer. Bon, lui il a l'air d'être un peu énervé. Ouais, j'ai pas réussi à tirer dans la tête. De toute façon, les munitions, ça va pas être un problème. Bien, viser la tête. Non, non, hein. Je suis pourtant sûr d'avoir tiré dans la tête. Ah, j'avais pas fait gaffe. On peut looter les cadavres. Ça par contre, bon, c'est pas exceptionnel, mais on va recharger. Ok. Oui, donc du coup c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein, mais je suis en ultra. Oh nice. Ok, donc là on a des flèches. Je crois que c'est des flèches, ouais, arrow, flèche. Ok. Ok, ok. Bon, je vais quand même fouiller. Ce qui serait cool, c'est de trouver du coup, je suppose, hein, qu'il y en a des armes
des armes à main, style, je sais pas moi, matraque ou tourner comme ça. Ok, là par contre je l'ai eu. M'a fait paniquer. Ok, bon, j'ai un petit peu gaspillé beaucoup de balles. Oh, nice! Nice, 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 je venais justement de le dire. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas comme ça. Ok, nice. Tac. Ouais, ok. D'accord. Ok. On va aller au bout, là. Je vois, je sais pas, il y a un truc peut-être qu'on peut passer, je sais pas. À mon avis, non, parce que étant donné que c'est qu'une démo, à mon avis, on va être assez... on va être assez limité. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Oh, la gueule qu'ils ont. Ok. Ok. Alors elle, je sais pas, j'ai looté beaucoup plus vite. Ah non, c'est parce que c'était... Ok, donc est-ce qu'on peut passer ici? Bon, je regarde juste si on peut passer là. Ouais, non, on peut pas passer. À mon avis, c'est parce que... c'est la... C'est la démo. En tout cas, voilà, je voulais tester. Ça m'a rien coûté. Je vais partager. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Donc là, il nous indique 400 mètres. Bah écoutez, par contre, je pense que... Alors, vu qu'on a trouvé des flèches, j'aurais bien aimé trouver... C'est par là, visiblement. Oui, de toute façon, c'est par ici. Évident de... Merde. Je change vite d'arme. Ok. Je fais gaffe de pas de pas être pris. Du coup, ouais, encore des flèches. Bah, écoutez, ce qui serait cool, c'est de trouver genre une arbalète. Oui, un peu quand même, parce que bon, des fois que. Des fois que. Là, ça a été plus long, ouais. Ok. Il y en a pas mal qui arrivent. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, pour mettre un peu plus de pression, moi j'aurais été le dev, j'aurais mis beaucoup plus de zombies. Parce que là, du coup, c'est vrai que ça reste assez redondant. Il y a 3-4 zombies par-ci, 3-4 zombies par-là. Ça aurait été cool d'avoir plus de zombies. Alors attendez, hein, peut-être que sur l'objectif ou quoi, on va en avoir beaucoup plus. Je sais pas. On va essayer de passer un petit peu sur le côté. Sinon, je m'en fiche, hein, vu les munitions qu'on a. Mais ouais, c'est tout est ressemblant. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Là, je sais pas. Là, je l'ai tué en une balle. Là aussi. Ok. D'accord. Bon, visiblement, c'est par là. Ok. Bon, côté optimisation, ça a l'air d'aller. Hein, pour être honnête. Donc ça, déjà, c'est un point fort. Là, il m'a mis une petite pression. Ah, ça arrive. Enfin, je suis pas dans la même zone. Peut-être que ça va changer quelque chose. Ok, ouais. Oh, nice! Un couteau! Ça, c'est cool! Ok. Eh ben, écoutez, déjà, on va tester ça. En plus, j'ai 3 munitions. Ouais. Bon, là, c'est sûr, hein, du coup. c'est du one-shot. Sérieux? Lui, je sais pas ce qu'il fait. Oh mon dieu. On va récupérer. Après, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de faire ça? Du coup, j'ai gaspillé des grosses... des munitions de gros calibre, mais... En soi... c'était le couteau que je voulais essayer. Oh, sympa. La petite façon dont il prend le couteau, j'aime bien.
Bon, j'étais un petit peu comme un barbare, j'ai perdu un peu de vie. Ok. On va fouiller ça. Ouais. Attendez, il y avait une autre arme qu'on voulait tester. C'était celle-là. Ok, nice. Ah, il est pas mal celui-là. J'aime bien le... Je sais plus comment il s'appelle en vrai, celui-ci, cette arme-là. Je sais plus du tout. Ok, nice. Ok, il y a un oiseau. J'ai cru voir hein, que là, on est dans une zone où il n'y en a pas, mais apparemment, il y a des animaux aussi. Ok, bon, visiblement, on n'est plus très loin. Ah, si tu tires à côté, ça va pas le faire. J'ai eu beaucoup de chance. Ok. Là, j'ai quelques pertes. Là, ça a été plus long. Merde. Oh putain, les bâtards. Non. Je me suis laissé surprendre. Je me suis laissé surprendre. Ok. Bon allez, apparemment l'objectif est ici, donc c'était parler à Ramirez, trouver les fournitures. Ok. Ok, j'allais dire on est sur quelle version, mais... Ok, je peux fermer. Je suppose que je suis safe. Ok, donc comme ça on va voir... C'est vrai qu'on a vu l'extérieur, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des bâtiments. Alors ça fait quoi ici? Ok. Est-ce qu'on peut fouiller les casiers? Non, même pas. Non, non, on peut pas fouiller les casiers. Ok. Je vais tout recharger mes armes là, vu que je suis safe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça reste la meilleure idée. Ok, donc là il y a du monde. C'est vrai que celle-là elle est bien parce que c'est one shot. Ou pas. Eh ben, meurs. Meurs, meurs, meurs. Oula, petit freeze. Ok. Oh bah, yon, je sais pas ce qu'ils ont fait ici, mais... Putain. Alors, est-ce qu'on peut récupérer? Non, on peut pas récupérer ça. Ah, alors là, déjà, si je peux pas passer, ça va pas le faire. Non, non plus. Ok, là c'est pour fermer, ouais. Ok, une petite radio du pied, de la main. Ok. Ouais, ça va, c'est un petit peu... Il y a un peu de déco. Ça va. Alors attendez, je peux ressortir déjà ici? Non. Ok, là c'est une autre zone. J'ai quand même envie de me mettre une arme à main. Au cas où ça... Ça dégénère. Alors, est-ce que c'était le meilleur bail? Je sais plus laquelle que j'avais des munitions. En fait, c'était à la place du pistolet qu'il fallait mettre ça. Et à la place du pistolet, il fallait mettre ça. Ok, bon, on va avancer. Hein. Ok. Bon. Bon, faut qu'on trouve les fournitures. C'est bizarre que ce soit pas par là. J'ai pourtant bien regardé, mais... Non, non, c'est pas ici. Alors, j'ai pas spécialement écouté. Je sais pas s'il a vraiment donné... Enfin, c'est marqué fourniture, mais je sais pas si dans l'audio, enfin, il a dit ce que c'était comme fourniture. Donc là, on est venu ici. Oula. Là, par contre, il y a du monde. J'ai parlé un petit peu vite, je pense. Ah, ok, intéressant. Attendez, on va refermer la porte. Ok, fédéral prison. Ouais.
Ouais, alors là, par contre, je suis pas très très chaud, hein. Je vous avoue. Nous avons, on va y aller au couteau, je pense. Corps à corps. Ah, quoique. Est-ce que si je peux peut-être leur mettre des balles d'ici, non? Ok, en prenant notre temps. Ça devrait le faire. Je vais recharger. Ah, c'est un 2-3 soleil, non? Non? Ok. Je suis un peu con, je sais. Ok. On va profiter du bug, hein. Celle-là, elle est pas passée, pourtant j'étais dessus. Parce que bon, pour être honnête, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais j'imagine que les fournitures, du coup, elles se trouvent de l'autre côté. Ça paraît logique, hein. Là, ce qu'il faudrait là-dessus, c'est une petite lunette. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé de... J'ai pas fait gaffe, à moins que j'ai pas fait attention, mais... On ne semble pas avoir trouvé d'accessoires pour mettre sur les armes. Ok, nice. Bon, j'ai perdu beaucoup de mun, mais au moins, c'est dégagé. Ok. Ok. Bon, il y a du bruit, mais il n'y a personne. Ok, bon bref, je vais pas tout fouiller. Bon là, il y a les cellules, visiblement on peut pas rentrer. Log 2. Ok. Là, il y a du monde. Ok. Take medical supply. Bravo, nous avons besoin de ces fournitures, sortons de là. Ah, c'était juste ça? Ok. Ok. Ouais, bah je vais me casser, hein. Honnêtement, du coup, on va retourner à l'objectif. Alors, faut que je trouve comment ressortir d'ici. Ouais, c'était ça, hein. C'était ça. Par contre, ah non, c'était pas ma vie, c'était l'endurance. Ok, donc 130 mètres, bon, on va prendre par là. Bon, je vais tracer, hein, du coup, la zone d'extraction. Je pense, de toute façon, après, c'est terminé, je vois pas ce qu'on... Je pense que la démo, elle va arriver, on va arriver au bout. Mais ouais, si on doit faire un bilan, ça reste quand même pas dingue, hein. Les graphismes sont pas dingues, ça reste quand même assez vide. Après, voilà, c'est comme... Enfin, c'est pour le... Enfin, on est vraiment au tout début, hein, donc forcément, ça peut très bien évoluer, on peut être surpris, hein, si les devs s'acharnent bien dessus. On peut avoir des surprises. Voilà, après, voilà, je pense que de toute façon, la vidéo, ça va vous donner votre propre avis. Je sais pas si on peut, du coup, ouais, on peut certainement les esquiver, hein, sans souci. Sans souci, sans souci. Ouais, il n'y a pas spécialement de difficulté. Bon, ils suivent, par contre, logique. Là, j'ai plus d'endurance. Voilà, vous avez terminé la démo, la suite est à venir. Undead City est actuellement en cours de développement. Oui, ça, du coup, on a vu. Restez à l'écoute pour les mises à jour. Merci d'avoir joué. Si je la mets vraiment, je vois qu'il y a vraiment une très grosse évolution. Parce que là, franchement, ils ont encore... Pour moi, ils ont vraiment beaucoup de travail. Vraiment beaucoup de travail. Si je vois qu'il y a vraiment une très très grosse évolution, je referai une vidéo dessus. Mais honnêtement, là, il va vraiment falloir qu'ils mettent les bouchées doubles. Hein, honnêtement, les graphismes, je veux bien passer dessus parce que bon, voilà... Mais voilà, il y a encore pas mal de choses, ça reste extrêmement vide à mon goût. N'hésitez pas en commentaire, hein, à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, on va se laisser là-dessus. Voilà, si jamais vous voulez tester, c'est dans la description. Et donc moi, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, ciao, salut, bye bye. Et puis merci de m'avoir regardé.